Eh bien, les amis, on se retrouve pour la suite. Alors là, il y a une fille qui pleure. Ah, non. C'est une dame qui parle à un berceau. Ça me fait un peu flipper, je vous jure. On va aller voir là-bas qu'est-ce que c'est. Ouais. Voilà, on a pris une trousse de soins en mémoire de William Hofner. Barre énergétique, on va manger. Donc c'est parti, on va aller voir la dame. Ok, bon, on a récupéré un flingue. Là, tu dépasses les bornes, Brenda. Tu me prends vraiment pour un imbécile. J'ai de compte à rendre à personne. C'est mon attente. Je l'ai gagné. Tu veux la manière douce, la manière forte. Moi, ça m'est égal. Oh, ça se passe en bas. Chose que j'ai assommé. Charlet, où es-tu passé? Oula, il y a un autre. Donc elle avait un flingue cette salope. Ou est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? La vache. Bon, des dollars ça va prendre. On va éviter de boire. J'entends encore du bruit. Ouais non. Alors comment ça marche son bois? Je crois que c'est bon. Si vous voyez un gros zombie dans l'eau, attaquez-le avec votre arc électrique. Ok, munitions pour pistolet, ça c'est cool. Alors là-bas, il y a de l'eau, de l'énergie, non, des dollars. Alors, journal trouvé. Encore une nuit de réveillon seul. Désespérément seul. Je suis sortie. Et toi, t'es coincé à Héphaïstos pour ton boulot. Imagine ma surprise. Je crois que je vais boire un autre verre. À la santé de Diane McClintock, la fille la plus tarte de Rapture. Assez idiote pour tomber amoureuse d'Andrew Ryan. Et assez folle pour... Mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, ça sauve! Il n'y a plus rien ici, on était dans le coin bar. Ah! Putain!
Il y a des trucs ici. Bon, je vais encore augmenter la sensibilité de la manette parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment bas. Et oui, je joue avec la manette, je sais. J'avais un peu la flemme de jouer avec le clavier. Ah, c'est déjà mieux. Oula. On va aller chez les hommes d'abord. Ok, il y a un passage ici. On va aller voir dans les têtes des dames. Alors, c'est du parfum. Bon, je sais pas trop c'est quoi ça. Il y a des fantômes. Alors, trou dans les toilettes. Qu'est-ce que c'est? Alors, les comptes rendus regroupent des messages enregistrés par les habitants. Appuyer. Ok, bon, bah, on va lire. Ah, du whisky. Ça me saoule. Bon allez. Oh là, doucement. Baissez votre arme, je vous prie. Ces petites sœurs transportent la dent, le matériau génétique qui fait tourner les rouages de Rapture. Tout le monde en veut. Tout le monde en a besoin. Vous croyez que c'est une enfant, n'est-ce pas? Ne vous méprenez pas. C'est une petite sœur maintenant. Quelqu'un a transformé cette gentille fillette en monstre. Oubliez le bien et le mal. Ces vieilleries qui viennent de la surface. Ici-bas, dans Rapture, ça n'a aucun sens. Sonnez les matines, sonnez les matines. Ding-dang-dang, ding-dang-dang. Je peux pas l'attaquer, je peux rien faire là. Oula. Il n'y a rien à traîner dans les environs. Non. Bon, bah on va descendre. Voilà, ça me fait peur, ça. En plus, elle est en train de... Oula. Ah! Ah, hein, son petit compagnon n'est pas content. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ouh. C'est un protecteur. La petite elle récolte la dent et lui il la protège. Ah, ils vont où? Ouais, c'est les mêmes. Alors. Alors, appuyez pour sauvegarder la partie. Bon, bah, on va sauvegarder. Alors, bienvenue à la rupture. Ça veut dire qu'il y aura peut-être un boss. Ça. Alors fouiller. Un gâteau à la crème. Alors ça c'est les points de sauvegarde, les vita chambres. Nous devons maintenir notre standing. Partez. Ne me là. Bah c'est parti. On va aller voir ça. Ah. Bouh, là.
que ça les tue. Ouais. Nickel. Je sais pas à quoi ils servent les dollars du tout. Je sens que j'en ai déjà assez. Alors, deuxième point de sauvegarde. Alors, il y a des caisses là, on peut les fouiller. Yes. Ah, bah non, non, je veux pas boire. Ah, je voulais pas boire du tout, mais bon. L'effet dure pas longtemps. Alors, il faut suivre la petite flèche qui dit d'aller par là. Mais on va aller par là. Ok, bon, il y a... Ah, j'ai vu un truc fouillé. Alerte de sécurité en cours. Ah, c'est quoi ça? Du coup, je... T'es où, toi? Faut se dépêcher, c'est ça? Bon, je vais quand même rebaisser le son parce que j'entends pas énormément grand chose. Je sais même pas si ça se dit énormément grand chose. Le volume des voix, je vais le laisser comme ça. Ouais, c'est bon. J'espère que ça va être bon. En plus de ça, je vous cache pas que ça me fait un peu flipper. Mais ça, je crois que vous l'avez compris. Je vois plus rien. Dites-moi, quelle association de scélérats vous envoie? Serait-ce le loup du KGB? Le chacal de la CIA? Écoutez-moi bien. Arthur n'est pas une épave que l'on peut piller à l'envi. Et Andrew Ryan n'est pas un écervelé mondain qui se laissera molester par le gouvernement. Bien. Au revoir. Ou Dazedania, comme vous préférez. Oula. Ils font quoi? Bah oui, mais par où? Ok. Bon, on a pu s'échapper. Enfin, je sais même pas où qu'on va tirer, là. Bon, on est toujours dans de l'eau. De toute façon, je pense... Le châtelain de ce maudit domaine, Andrew Ryan. Maintenant, allez jusqu'au salle d'urgence. Alors, on a un nouvel objectif. Alors, pour obtenir plus d'informations, c'est quoi? Alors, distributeur. Et il sert à quoi, ce distributeur? Il est où? Qu'est-ce qui t'arrive, Marie? Je crois que tu as besoin d'un remontant. Je ne me sens pas très bien, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir. Parfois, je vois même des choses qui n'existent pas. Tu es en descente de plasmide, Marie. Il faut que tu te calmes un peu sur les injections. Ça va passer en un rien de temps. N'oublie pas que plasmide... Le robot s'écoutait pirate...
Lancer le piratage. Ne pas pirater. Alors, de l'aide, c'est quoi? Alors, caché. Vous pouvez plaire. Ok, je pense avoir compris. Alors, comment on lance le piratage? Voir plaque, découvrir un segment du tube. Ouais, ça a l'air chelou leur truc. Alors, le but c'est de sortir par ici. Alors, et le liquide il vient par là. Oh là, il arrive déjà le liquide. Non. En fait, il faut que j'ouvre tout, c'est ça, déjà. Bon, ça va pas être compliqué, en fait. Je pense avoir compris le système. Bon, je peux faire carrément plus court, moi. Oui, bah voilà, hop. Comme ça, c'est plus simple. Ok, c'est... Bon, bah, terminé. Oui, bon, voilà, hop. Oula. Ah, c'est le petit robot tout à l'heure que j'avais vu qui m'a aidé. Alors attendez. Si le distributeur achetait des articles piratés. Racheter 10 dollars. Alors, j'ai piraté, c'est parti. Alors, il faut aller là. Ah bah ça arrive vite là. Non, non, c'est pas celui-là que je voulais. Il me faut d'autres tubes comme ça. Non, non. Yes. On regarde ce qu'il y a quand même sur les autres. Bon là ça va, c'est assez simple, mais à mon avis ça peut devenir très 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 compliqué. C'est cool ça. Bon, achetez des articles. Trousse de soins, vodka. Alors, une bouteille de vodka restaure quelques points de santé, mais traîne, ok. Une munition. C'est combien? C'est 20, 10. Bon, je... Ouais bah non, en fait ça coûte cher. Je vous trie une balle perforante. Bah, bon en fait si on va acheter des balles pour le flingue. De toute façon là maintenant on est en rupture d'argent. Alors là-bas c'est Medicare. Ah bah oui, mais j'ai acheté les flingues, naze. On prend l'argent, on fouille. Puis il n'y a plus rien. C'est bien, lui il me suit. C'est agréable, c'est sympa, j'ai de la compagnie. Et on peut monter. Encore un cadavre. Ouais, je suppose que c'est fermé. Aïe. Ouais, ça me surprend à chaque fois ça.
Alors, bon, les balles, je peux prendre. Bon, vous savez quoi, on va pour cet épisode-là, on va s'arrêter, puis on se retrouvera pour la suite sur le prochain épisode. Allez, prochaine!